à libération paye religieux. D'accord, merci Franzi petit homme ou c'est un membre communication Achid Joseph là qui a parlé dans dossier ça qui autorisé parler dans cadre enlèvement sept prêtres l'église catholique et deux religieux. Après 11 juin enlèvement et religieux souvelé et père Franzi petit homme dans quel niveau l'église là comment nous-mêmes n'a vive situation ça comment n'a vive ça passé à. Bon, l'Église là, c'est un seul corps lié, donc très uni, et généralement, nous yon connaît, nous yon comprend l'autre. L'Église a gagné ensemble, ça où le presbytérium, c'est espace où tout pays, yon réunit autour de évêque là, archevêque là, au moins une fois par mois. Donc, toujours une ambiance pour nous discuter, pour nous parler ensemble. Donc, lorsque yon membre dans le presbytérium n'a touché, c'est tout corps la net qui touché. Donc, point de besoin de te dire que c'est tout le monde qui est dans la tristesse, tout le monde qui a réfléchi, nous tout le cap la prière pour nous chercher ensemble libération et otage. La prière pour nous chercher libération otage, mais concrètement, qui ça qui fait pour otage jouer une libération yo et qui ça exigence yo yé Radio Omega normalement gagner à disons à partir de question ça on nous poser question dans l'autre forme qui ça qui pas fait et ça qui pas fait c'est que l'église catholique en Haïti sous aucun prétexte pas négocier de manière économique, libération, otage. Ça, de manière officielle, nous dit, et nous peser sous chaque mot, l'Église catholique en Haïti n'a pas accepté de négocier de manière économique, libération, otage. Dès le départ, que ce soit l'archevêque de Port-au-Prince, que ce soit toute la conférence épiscopale, nous parler d'une seule voix, nous demander que toute autorité qui concerne yo dégage yo comme Maître Jean-Jacques puisque c'est devoir yo pour que nous arrivions à joindre libération tout otage sans condition. Ça c'est position officielle de l'Église. Hein? Partant de cela, nous organiser nous un comme des chrétiens dans la prière et dans des activités de sensibilisation et dans des processus pour que nous arrivions à toucher le monde que nous devons toucher pour que nous arrivions à joindre une libération tout le monde qui est en otage. Ou du pesé sous l'Église catholique en Haïti pas négocier l'argent pour joindre une libération religieuse. Radio Omega. Oui, nous disons nous repréciser sous l'Église. Non, l'Église là comme you non même communication yo, l'Église catholique pas peut rentrer dans vieux jeu de négociation l'argent pour nous joindre libération et nous dit c'est un bagage qui fait simple lié c'est un vieux jeu comme nous préciser c'est comme si l'Église là rempli le monde pensait que là où dit l'Église catholique c'est une l'Église qui riche sur l'Église qui rempli moins économique c'est comme si on pensait que paye l'Église là gagne l'argent. Ils trompent complètement. Nous c'est des Haïtiens, des jeunes qui sortent dans des familles pauvres, qui comprennent le sens de l'Église là et qui choisissent bailler la vie pour cause l'Église là. Nous faisons pour nous faire qui ça. Nous faisons pour nous capables accompagner les gens qui ont besoin de la prière. Nous faisons pour nous capables aider au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Nous faisons pour que confrères nous, soeurs nous comme Haïtiens nous aider dans la façon que nous sommes capables d'en bailler la vie pour une cause. Mais malheureusement, il y a plus de monde qui garde l'Église à notre œil, qui pense que nous sommes riches. D'ailleurs, même si l'Église catholique t'a voulu rentrer dans un jeu de négociation économique, il n'y a pas de moyens pour ça. C'est charité qui t'a pas obligé de demander pour le faire. Or, nous ne sommes pas 5 prêtres. Nous sommes des centaines de prêtres, non seulement à Port-au-Prince et dans tout le pays, nous en pile. Donc, automatiquement, que comme institution, nous allons entrer dans vieux jeu, dépenser, demander pour nous jouer une corde pour libération, yon paix,
même monde qui a fait lieu, même l'autre groupe monde qui a fait un petit peu partout dans zone tribulienne, il a pas entré dans même jeu ça. On n'a pas les moyens de ça, donc nous pas sortir de là. L'Église catholique pas entré dans logique négociation l'argent pour libération otages. Alors tout ça incapable. Yo enlevé mon n'a fait voyer arriver côté pour arriver, n'a pas la prière, n'a fait tout sacrifice qu'il faut pour que bon Dieu de nous joindre libération otage. Mais yo enlevé mon religieux révérend petit homme, c'est l'argent et souvle moun qui enlevé yo a demandé. Radio Omega. Pour libérer yo. Dernièrement, m'était tendé yon bride de échange, yon responsable gangyo sur un média qui t'a parlé de certaines choses nous-mêmes qui dépassaient, non, dans la mesure. C'était ici, hein. D'accord, il t'a parlé que combien de Français qui n'ont groupe otage. Vous cantez la parole. Et la France, d'où Haïti, ça et là. Ça, c'est des questions politico-idéologiques. Et c'est ça qui fait que nous pensons que nous avons même osé, au lieu de parler de kidnapping, nous avons parlé de prise d'otage. Donc, nous ne connaissons pas qui est derrière tout ça. Mais nous, le seul bagage que nous souhaitons, c'est que et tout le monde qui fait partie de Gamio, puis arriver à connaître que le monde qui n'a pas c'est une bande malheureuse, que ce soit haïtien ou français, qui débaille la vie pour venir en Haïti pour aider propre petit même monde qui dans gang yo à l'école d'ailleurs dans zone côté yo prend pays religieux zone là son zone qui était abandonnée qui pas gagné la donne. C'est l'Église catholique qui mettait yon l'église dans zone là et de par l'église là comment s'y mettait l'école comment s'y mettait ces activités pour moun yo qui commencer rejoindre goût à la vie. Ça veut dire même moun yo kidnappé yo c'est même moun qui t'a aidé famille yo dans même zone là encore. Et c'est des prêtres de Saint-Jacques de Saint-Jacques, c'est par eux que nous procédons. Donc fort de cela, nous pensons que par-delà tout ça qui est capable bien comme idéologie que nous respectons parce que chaque monde libre pour penser par eux. Mais au moins moun qui dans meyo, faut arriver comprendre que c'est des monde qui apparaissent comme des victimes parce que en ce qui a trait à idéologie politique et autres qui capable à la base de toute idée de négociation d'après les dires de chef de Yudna chef oui gang, c'est l'homme sans jour et m'a pour dit et chef gang là ça la guerre yo la guerre religieuse c'est nous qui capable qui a 82 ans c'est un père qui prend plusieurs balles déjà qui pas même capable et vivre les pas otage tellement comme si il y a des souffrances qu'il a enduré en temps normal. Notre gain père qui est obligé de prendre insuline 2-3 fois par jour et tout le monde ça c'est dans même l'idée pour aider même monde qui est dans zone yo. Donc moi redis ça tout simplement et c'est que monsieur essaie prendre une petite crasse conscience et relâcher missionnaire yo pour que même travail de support à société à tous les niveaux travail continuer. Est-ce que nous parlons avec yo, l'église là parle avec gang yo directement ou bien c'est famille chaque monde qui parle avec yo qui ça fait contact yo comment on fait Radio Omega. Normalement nous pas qu'à parler de comme si yon contact au niveau d'une certaine échange de paroles pour que telle ou telle chose fait mais nous essayer même je n'ai fait la soirée à travers radio à travers émission Bouquet de la parole nous souhaitons que même Jean moi-même moi t'étendais lorsque chef de gang nous a parlé grâce avec nous-mêmes moi souhaitais que même Jean tout il attendait que m'a parlé à travers nous-mêmes pour arriver à comprendre que et Kimbe mon en otage pas résoudre le problème pour autant vu que mon ça aussi des missionnaires. Et comme missionnaire, ce n'est pas moi qui possédait en rien que vous avez. Et attaquer de par là une institution qui a aidé vous, aidé vous dans l'hôpital, aidé vous dans l'école, aidé vous et à tous les niveaux. Par exemple, l'autre dit qu'on l'église en côté, c'est laisse à tout marcher, rassembler, tout le monde rassembler, attaquer nous, c'est comme si c'est une perte de temps, que l'IE sont très mauvais calculs. Nous souhaitons que de par couloir ça, l'autre dit non. Et même surtout, l'église a essayé d'utiliser plusieurs couloirs de communication pour que message par yo
rive nan zorey moun ki et fait prise otage. Donc l'église là pas un contact direct avec chef gang yo. Boukante la parole. L'église là pas gagné un contact direct avec chef gang. Raison? C'est parce que nous pas trouvé que li totalement nécessaire et personne que nous gagné qui ensemble avec nous et monde qui a supporté nous, monde qui connaît plus ou moins et zone nan. D'ailleurs en partie l'opprend l'église de l'Immaculée Conception qui dans Galette Chambon dans zone ça même c'est parce que dans zone nan il y a pile monde qui dans organisation gang ça sorti donc comme si ou t'a dit que et comme si mon yo coupé propre droiture parce que c'est même nous même comme père malgré tout zone nan li t'est abandonné tout monde t'est peur zone nan. Tout le monde dit que vous traversez ces zones pour des bouquets ou avoir des problèmes avec groupe et gang ça. Mais nous-mêmes, nous te prenons courage nous à deux bras parce qu'on dit que si il y a un petit monde dans la zone, si il y a un grand monde dans la zone, c'est rôle nous comme église, malgré tout risque qui gagne, pour nous traverser, pour nous aider les gens. Et c'est dans aider même les gens que vous sentez que vous avez un retour de non-compréhension à travers la façon de kidnapper les gens. Yo météo en otage. Mm-hmm. Nous pensons que nous essayer pour que conversation yo pour que parole yo de par plusieurs options river sous monde qui fait et kidnapping yo et nous pensons que à ce niveau ça suffit parce que communication li passé. C'est vrai nous pas négocier nous pas obligé tourner sur question ça avec vous révérend et petit homme et, qui ça a demandé? Nous-mêmes, nous pas décidé et négocier, mais qui ça a demandé? Normalement, je pense que dans l'interview que vous avez eu avant hier, je pense que vous avez posé même les questions et vous avez expliqué clair que. Alors, dit, normalement, il a dit tout, il n'a pas révélé, il n'a pas discuté dans la radio, il n'a pas discuté en public, sans privé, il a discuté ça. Bon, oui, on était senti que porter parole là, t'es un dirigeant politico-idéologique. Mm-hmm. Nous été dans ça, sans que il n'est pas nécessaire, nous penser, pour nous rentrer dans certains détails, nous-mêmes également. Mm-hmm. Ou t'as plus quoi, kidnapping et cette prête de religieux, il y a un rapport politique? Radio Omega. Nous pas dit, nous tendez, et nous avons essayé d'analyser en profondeur. Ça, mais c'est vrai, nous pas en contact direct avec eux, mais nous connaissons comment est ta santé et moun qui nan meyo depuis 11 jours, comment est traité yo, est-ce que manger, est-ce que nous gagne toute information ça yo. Radio Omega. Normalement nous gagne des informations pour que nous capable dire qu'il n'y a pas de cas de mortalité parmi les otages parce que grand pile rumeur qui circule souvent de fois. Moi-même, j'ai une rumeur de cas de mortalité. Moi, presque dans des pendant 3 jours, chaque fois, après 11h midi, ou dans des grandes notes qui sortent que j'ai un tel ou tel otage qui est décédé. Là, nous sommes capables de confirmer à 100% que pas gagné un cas de mortalité. Et c'est vrai que conditions de détention, yo, pas facile, mais yo là. Et puis, y a qu'un bé. Pas gain viol tout puisque ça li parle en pile sur réseaux sociaux. Pas gain viol, pas gain pression qui fait sur yo. C'est complètement faux. Et je le dis avec précision et insistance, gain en pile information qui a circulé sur les réseaux sociaux concernant et point que souligné. Yo fait payo coucher avec mère, pas gain ça. Non, ça c'est totalement faux. C'est peut-être qu'on est bien pile fois, bien pile monde qui gagne et ti réseau yo qui a cherché créer sensation. Donc yo écrit, yo dit peut-être des choses très malheureuses pour capable créer des sensations, mais nous-mêmes nous capable dire comme you nan membre communication et archidiocèse là et qui gagne des informations précises à partir de équipe communication. Que tout ça que vous dites concernant viol, concernant d'autres choses, c'est complètement faux. Il n'y a pas de cas de mortalité. Et à ce niveau, nous pensons que otage yo là, il y a qu'un blé
condition yo difficile, c'est vrai, mais tout le monde vivant, tout le monde là, et pas gagné en rien de totalement négatif dans le sens de voice, mon gars, fait ses clés des fois. Mm-hmm. Et ta santé, pas déplorer, ça pas déranger, et père révérend et petit homme, bah nous non, et 9 otages qui, jusqu'à présent, après 11 jours, toujours dans main, et groupe gang 400 Maozo, puisque yo réclamé là, dans boucanté la parole. Radio Omega. Bon, normalement, je suis capable de plus précision, aidez-moi, quittez-moi pour le prendre. Normalement, nous connaissons que c'était dans dimanche matin oui. Que tout missionnaire est allé dans Galette Chambon, dans l'église Notre-Dame de l'Immaculée Conception, pour qu'il installer Père Anel comme nouveau curé. Donc, il y a un qui sorti Port-au-Prince dans le local Père Saint-Jacques, Père Evans Joseph. Père Michel Briand, qui sont prêtres français. T'es également Père Jean-Nicès Milien. Si on prêtre haïtien, il y a une année en plus ou moins parce qu'on a fait formation dans ces miels ensemble. Mais, monsieur Sao, depuis au fin Père, même si au Brésil, il est allé, pour être capable d'aider la communauté autochtone qui est plus placée dans la zone Manaus. C'était quatre. L'Internet a fait partie, Père, sont partie du premier groupe d'haïtiens. Qui a quitté le pays, qui a travaillé au Brésil comme missionnaire, pour aider l'une ou l'autre nation qui a souffri autant que le peuple haïtien dans la zone nord du Brésil, zone où il est plus Manaus, qui est une grande forêt amazonienne. C'est la Nikes Rombantan qui a travaillé. Il y a un Père Joël Thomas, qui fait longtemps au Brésil, qui a fait longtemps également et Port-au-Prince, qui l'a. Il y a également. Yon pen archidiocèse cap haïtien, c'est Père Hugues Baptiste. Mm-hmm. Père Hugues Baptiste, c'est yon prêtre étudiant que lié. Li vin Port-au-Prince parce que l'a étudié médecine au niveau de l'UNDH. Et en tant que étudiant en médecine, li célébré et particulièrement dans paroisse Pamnan, paroisse Notre-Dame de l'Immaculée et Conception à l'hôpital général. C'est là, toujours célébré au moins deux fois par semaine. Et l'été vivre ensemble avec Père Saint-Jacques. C'est ça que fait, l'été déplacé ensemble avec eux pour y aller dans la cérémonie et d'installation. Après, ça a gagné deux religieuses. Deux religieuses, c'est sœur Anne-Marie d'Orcellus, c'est sœur Sainte-Thérèse que l'y est. Il y a également sœur Agnès Bordeaux, qui est française, qui dans la communauté relie la Providence. Et puis, gagné trois fidèles laïcs qui c'est maman famille père Jean et Arnel Joseph, c'est maman ni madame Oxane d'Orcellus qui libéré certainement non fait moi t'a présenté tout mon yo et dans tout mon moi dit c'est maman seulement qui libéré également mademoiselle Lovely Joseph qui c'est seul et puis gagné monsieur Welder Jolie qui c'est you n'en pas qui c'est parraine père Adel. Donc c'est tout le monde sérieux qui a kidnappé, et c'est un seul en attendant qui joue une libération. C'est maman Père Anel qui t'est libéré. Il y a combien, mon père? Donc si je calcule bien, ça fait 5 prêtres, 2 religieuses et 3 membres de la famille. Ça fait en tout 10. Il y a un seul qui est libéré. Il était pratiquement 9 personnes dans la main. D'accord. Ça veut dire qu'il y a 9 personnes qui est toujours dans la main otage 11 jours après. Mais l'église l'a fait en pile mouvement. Tout récemment, là, on a décidé de fermer pour toute institution ce 15 avril et nous retourner avec même, et souvelé, nous prenons même décision encore pendant semaine ça, jeudi et mercredi. Qui signification et arrêt et campé travail dans institution catholique? Radio Omega. Il y a une double signification. D'ailleurs, si nous regardons lettre évêque, arrêt de travail, là, c'est. Yon point dans différents et ça que nous avons fait pour que nous arrivions à créer une sensibilisation dans tout le pays. Et premièrement, peut-être qui ça que nous camper institution, ce n'est pas que nous animer d'une certaine méchanceté, ce n'est pas là du tout. Nous voulons tout simplement que à travers ce camper ça nous fait, pour que tout le monde dans le pays arrive à prendre conscience maintenant quelle situation l'Église là est. Maintenant, quelle situation tout pays a eu à partir de
kidnapping nan, et de là pour capable éveiller une prise de conscience, nous pas dit dans l'église parce que nous grand temps prend conscience déjà, mais pour que toute autorité, tout monde dans société a capable prendre conscience. Parce que lorsqu'on parle de kidnapping, on peut sentir yon chaîne là-dedans. L'indi chaîne là, premièrement, zam qui nan men moun ka fait kidnapping nan, c'est des armes qui très chères pour vous. Pour mettre des munitions là-dedans, c'est acheter pour acheter. Donc, il y a un mec quelqu'un qui a approvisionné dans nous en armes. Nous voulons que Mounsayo prenne conscience que Bagayla pas qu'à continuer comme ça. Nous voulons également pour que Moun qui l'entourage. Alors, message là, pas seulement pour l'État, il pas seulement pour pouvoir. Non, message là, pour toute société. Là. Par exemple, responsabilité, ça qu'a fait là. Il n'y a pas dépend seulement de l'État. Parce que par-delà l'État, il y a un pilote main qui participe là-dedans. Et là, nous faisons plus de conscience là. Même les gens qui ont entourage, les gens qui ont fait kidnapping, les maman, les gens qui ont gang, les proches familles, nous voulons également, pour y arriver prendre conscience, pour parler avec petit, parler avec frère, parler avec soeur, pour comprendre que le chemin que vous prenez, le chemin ça n'est pas mené en quel côté. Parce que Jean-Parole, mon Dieu, a dit, l'autre un chemin mal, il y a de fortes chances que mal là, il retourne sous. Donc, c'est pour ça que nous avons posé l'action. Et puis, nous l'avons pris en pile. Nous l'avons pris en pile parce qu'on pourrait que dans chaque lecture, il y a des activités de prière. Là, nous voulons préciser, quand tout le monde, des fois, qui mal comprend ça, qui dit, l'église a fait messe noire. Non, n'a pas vu dans messe noire parce que ma vie connaît est-ce qu'elle existe, vrai. Non, ça va exister. Radio Omega. Et comme si. Et on dit, ah, oh, donc, il doit attendre des personnes, il y a Abdoubala, par exemple, c'est secret par nous. Il n'y a pas de secret là-dedans. D'ailleurs, m'a parlé d'une émission que tout le monde attendait. Je le dis, je le redis comme prêtre et comme et monde qui fait théologie, ils ont fait messe noire là. Il n'y a pas existé. Mais côté le sorti, il a dit l'empile, nous attendons souvent, moi-même comme catholique, nous attendons souvent, côté messe noire sorti. Vous gardez la parole. Bon, ça peut faire partie de la parapsychologie de monde qui. Qui pensait que yo capable rentrer l'église là dans des rites de la magie. Non, pas de bagon ça du tout. Par exemple, mais ce que nous faisons, nous appelons prier bon Dieu pour que bon Dieu capable toucher que moun qui prend moun en otage yo, pour libérer yo. Nous appelons prier pour que moun qui en otage yo, yo rejoigne une force pour yo traverser moment d'épreuve là. Nous appelons prier pour que l'État qui des fois trop silencieux, un silence qui frôlait une certaine irresponsabilité, voire complicité, pour que l'État arrive et prenne conscience de ça, et pour que nous jeunions dénouement heureux qui passait que, un, par la libération des otages, deux, par la conversion non seulement de ceux qui font le mal et de monde qui a accompagné dans cette salle-là. Donc, comme si. Nous pas l'église, excusez-moi si vous riez, l'église c'est comme si on dit à midi tout quand sonné, bagay sa grand pizza. Oui, oui, elle t'en couche son bagay non, mystique. Non, loin de là. D'ailleurs, nous-mêmes nous suivons ça qui dit dans la parole de bon Dieu. Bon Dieu dit que nous ne voulons pas la mort du pécheur, le prophète Ézéchiel. Nous voulons que celui qui vit dans le péché se convertisse et change la vie. C'est ça que nous souhaitons. Mais qui objectif sonne cloche là, mon père? Non, en fait. Signification. Lorsque son étoile, c'est d'abord un signe de rassemblement. Okay. Par exemple, lorsque dans tout village qui décloche, il marque d'abord les heures pour que qu'on ait que c'est heure de prière, c'est heure de messio, c'est heure de qui signe pour nous faire mariage et autres. C'est peut-être ça qui décloche dans l'église pour rassembler mon yo. Mais pas grand qu'une portée mystique dans le sens négatif de. Célébration, la messe à midi, et sonner cloche de la prière, porter mystique dans le positif parce que c'est conversion que l'Église a cherché pour tout le monde qui fourrait meilleur dans le mal dans la société. Et de par la prière, non, nous souhaitons que nous joignions moyens pour otage, river, libérer et que la vie recommence en Haïti de manière globale sans que même phénomène ça qui là, qui part là il y a 3 ans, ça le sortir de la société pour essayer de vivre ensemble, pour être capable de sortir dans la nuit, pour que l'on traverse ces martissants ou pour obliger peur,
pour que nous vivions tout le monde. Tout le monde capable de vaquer normalement avec occupation yo, sans inquiétude. Mais où se dit arrêt, alors quand Petra travaille dans l'institution catholique, yo, son signe de protestation à pouvoir l'État ou bien monde qui alimentait et gang yo. Et en pile fois nous tendez, il y a des monde l'opposition, il y a des monde pouvoir, il y a des monde dans privé même qui participer dans genre d'activité ça. OK, ni moi-même ni ou même nous pourrons capable de vérifier. Mais si nous voulons rester sous sa cap d'yo, mais même moun sa yo, nous, récemment, même secteur sa yo, si yo t'avais là-dedans, récemment, yo fait solidarité avec l'église là. Radio Omega. Bon, l'église là, li là, pour parler pour peuple haïtien en grande partie. Et lorsque, c'est vrai que nous gagnons plusieurs prêtres et religieux en otage, mais par-delà, libération que nous besoin, pour moun sa yo que nous souhaiter moun ki rive en otage après de comprendre ça yo pour que pas bon intérêt pour faire pour laguer yo mais nous pensons que c'est problème insécurité problème kidnapping nan qui doit poser d'une manière globale. Je dis à dans réunion il y a une question que entre nous prêtres on a posé et après admettons que à soya là nous tapons bonne nouvelle que bandi yo yo réfléchi yo dit bon c'est père c'est mère c'est monde qui t'a aidé nous bande la guerre yo la guerre on exemple d'après connait la qui ça que l'église a fait demain l'église en doué quoi qu'il arrive kembe yon certaine mobilisation pour que li toujours parler dans oreilles que ce soit monde qui dans l'état monde qui dans secteur privé quel que soit branche ou hier pour qu'on ait que ce soit en opposition ou bien dans le gouvernement, pour qu'on ait que chemin violence là, chemin qui est lié avec insécurité là, les pas mener pays d'Haïti en quel côté et ses familles haïtiennes de manière globale la fait souffrir. Donc là encore nous souhaiter que et deuxième tranche mouvement que l'Église a commencé à mouvement qui est très pacifique côté nous continuer malgré que nous avons souffrir. Malgré que nous besoin de libération otageux, nous continuons avec beaucoup de sagesse, mouvement de sensibilisation. Nous souhaitons que c'est tout pays qui veut au processus, que ce soit mon nom en opposition, que ce soit mon nom dans le gouvernement, que ce soit dans le secteur privé, que nous tous nous prenons conscience pour nous connaître que c'est Haïti nous y est, c'est Haïti nous vivre et sécurité en Haïti, pays sans kidnapping, li bon pour tout le monde, li bon pour l'église, li bon pour mon cap 20 ans, li bon pour moun ki nan opposition, moun ki nan gouvernement, parce que au moins, lorsqu'il y a le sourire, même sous figure moun ki pa ka manje bien, li rend yon l'autre moun content également. Donc, mouvement nous besoin, nous chercher, nous demander solidarité, tout moun à la ronde bade, parce que pa kwè, kidnapping nan ap insécurité a, li fait personne plaisir, li bon pour personne. Yon moun ki ta pensé que yon climat kon sa, ta bon pour son gros erreur que vous faites. Parce que l'on veut ou non, depuis ou prend chemin mal, il y a plus de chance pour mal là ou retourner sous petit ou sous famille. Donc, le plus tôt possible, il y a un monde capable de quitter chemin, qui est capable de verser sans le monde, ni bon. Et c'est peut-être ça, à soi encore, nous adresser nous à tout le monde qui n'en gangue, quelle que soit la zone que vous avez, en nous essayer de prendre conscience pour nous connaître que route n'apprend. C'est route qui mène vers propre destruction. Nous, l'équipe monde qui nous amène, c'est malheureux, malheureuse, yo, tant que père, tant que mère, yo. Pas continuer à faire abus. C'est dans le même niveau social là que nous sortis. C'est même malheureux que nous y c'est même effort que nous avons fait pour nous aider, famille, nous, sortis dans la situation misère, ça, dans l'école, dans l'église et autres. La guerre, mon yo, pour que au moins, famille, yo, suspend souffrir. Rappelez-nous encore ensemble d'activités et qui démarre jeudi à Kabout certainement vendredi qui ça qui gagne pendant 3 jours ça qui ça gagne comme activité pour continuer dénoncer et kidnapping et religieux. Radio Omega. Premièrement depuis jeudi en demain jusqu'à vendredi nous fait 3 jours d'arrêt et là encore dans sensibilité l'église nous pas fermer l'hôpital. Parce que nous pas qu'à faire ça. Il y a des gens qui ont droit malade, il y a des gens qui ont droit à urgence. Nous pas capables à relayer pour pas gagner plus la mort. Et puis nous-mêmes pour nous faire l'hôpital pour que l'autre monde vienne mourir par cause de manque de soins. L'hôpital aurait été ouvert. Et nous fermons
l'école avec l'université ou quelque autre institution en signe de protestation pour être capable de pousser tout le monde à conscience. Parce que presque plus fort monde dans le pays, il y a un petit tuyau, un proche qui a un certain lien avec l'église de par l'école ou l'université, en quel que soit côté dans le pays, on fait ça. Et nous accentuer sur le moment de prière, parce que c'est chrétien, nous avons toujours prié pour conversion du peuple haïtien. Et là, nous arrivons dans vendredi, après un rassemblement, cloche a sonné, nous avons fait adoration du Saint-Sacrement et à midi. Ou à regarder dans les clagues des psaumes qui choisit pour nous capable de la prier. Même là encore, puis quand maintenant nous que psaume choisi, c'est des psaumes terribles pour capable de casser tout le monde, pour capable de faire bagarre qui mal. C'est pas ça lié du tout. Vous voyez, c'est des psaumes de louange que nous choisit pour nous capable de la prier, pour nous capable, pour chrétiens capables de ferme. Parce que le moment de la traversée, il fait un pile chrétien poser tête des questions. Parce que en pile fois, nous nous demandé peut-être qui ça, bon Dieu, pour qu'on agit, côté bon Dieu, peut-être qui ça, l'église a souffri comme ça. Mais, mon Dieu, pas arrivé, que même les premiers chrétiens, à part de Saint-Jean, qui est mort en exil sur l'île de Patmos, tout n'est pas mouru martyr. L'église, là, force nous, t'es toujours chita dans la souffrance que nous avons enduré. Et porter souffrance, ça, aujourd'hui, pour le peuple haïtien, nous accepter. Donc, nous faisons un moment d'adoration. Et à 3 heures, il y a une prière divine miséricorde. Divine chapelet divine miséricorde, là, c'est un chapelet, c'est la prière qui fait. Côté, dans tout chapelet, on va demander bon Dieu pitié. On va demander bon Dieu pardon. Parce que même le monde qui a fait nous mal, même le monde qui a kidnappé Père, le monde qui a kidnappé religieux, le monde qui a kidnappé dans toute zone qui a gagné et dans Port-au-Prince, on va demander bon Dieu pardon. On va demander bon Dieu pitié pour eux. Pour être capable de changer le cœur, pour être capable de faire des malheureux qui ont gagné. C'est ensemble d'activités qui gagnent pour ce moment-là, tout en espérant que non seulement bon Dieu a écouté prier nous, mais également monde qui doit agir pour libération ou ta jour, il a agi pour ça, tout en espérant ça. Mais si on n'y est pas fait, à partir sans doute de après vendredi, gagner des mesures qui beaucoup plus vissées que l'Église a continué prendre pour nous capables de faire même bagaille. Nous souhaitons que sentiment de solidarité qui était exprimé envers l'église là, envers monde qui ont kidnappé yo. Sentiment ça qui était paraît très visible pendant et le jeudi dernier lorsque nous t'ai fait beau journée, nous recommencer là encore. Parce que ça t'est dit en pile lorsque tout le monde t'est prend conscience pendant journée pour yo camper ensemble avec nous toute bagaille. Ça t'est dit en pile et nous dit merci à tout le monde qui comprendre ça. Nous souhaitons que même élan de solidarité, ça y est, qui sortit de tous côtés, que ce soit dans le secteur privé, que ce soit dans le regroupement politique, que ce soit dans l'organisation des droits de l'homme, nous essayons de reprendre la sensibilisation, ça y est. Parce que l'on veut ou non, fuck ça fait kidnapping, ça. Fuck ça fait insécurité qui prend forme, ça. Fuck les finir dans le pays d'Haïti pour que tout Haïti vive. L'Église, là, living fell, porte-parole, toute société, là. Pour que à travers ça nous même n'a enduré pour nous demander l'État, pour nous demander gouvernement, pour demander tout le monde qui fait partie de communauté internationale là, pour nous demander monde avant amis, pour demander monde qui a fait kidnapping yo, ben nous yon chance comme haïtien pour nous capable vivre et pour que monde qui a kidnappé yo, pour que monde qui kidnappé yo, il veut comprendre que majorité kidnapping yo, c'est même malheureux pareil nous prend. Et puis, on a forcé des familles, rassembler ça ou pas posséder pour le bail. Lagé mounio, lagé père. Même j'ai moi-même, moi t'attendais avec beaucoup de respect. Façon que bandit t'a abordé le sujet à travers même l'émission que m'a parlé à soi, je retourne voir bail au nom de l'Église pour nous dire lagé père, lagé mère. C'est des mouns qui viennent aider nous en d'un pays. La guerre n'a pas aucun intérêt pour nous faire monde qui était là pour aider nous souffrir encore. Merci Père Franzi petit homme n'a rappelé où c'est un monde qui autorisé. Alors, il y en a un prêtre qui est autorisé pour parler sous nom l'église là suite à enlèvement et souvelé religieux. Merci en pile, ça fait 11 jours déjà. Merci en pile Père Franzi petit homme. Bonjour, merci et là encore nous remercier et Radio Méga pour bel travail ça que nous a fait. Ça qui arrive, il y a des gens qui ne peuvent pas arriver à comprendre, mais le fait que
des fois nous arriver joindre couloir qu'il faut pour que parole la parler, ça permet de comprendre plus bien réalité que nous avons. Et ça paraît permettre en pile monde tendre et comprendre à travers l'échange ça qu'a fait. Nous permettre un dernier mot pour nous redire un bagage qui est important. Dernièrement, il y a une messe dans l'église Saint-Pierre. Oui. Mais cela va finir. La police tire gaz en pile monde qui est dans l'église là. Tombé à cause de problèmes de respiration, en pile monde qui dans presbytère là, il est touché par gaz. C'est vrai que gaz là pas tiré exactement dans l'église là, mais professionnellement, police doit comprendre que si il y a un rassemblement à l'intérieur d'une église qui gagne environ 1000 à 2000 monde là-dedans, si vous tirez un gaz près l'église là, c'est normal que vent a transporté gaz là en dans espace là. Moi même t'as souhaité que policier qui tirait gaz ou bien la police qui responsable action ça, je souhaitais que c'est une erreur professionnelle que vous avez fait. Sinon, si c'est de manière consciente que vous avez choisi tirer un gaz, non contournant l'église qui crée toute panique ça dans l'église, ça il t'apparaît comme un signe de méchanceté. Là encore, nous faisons crédit total à la police, tout en pensant que c'est une erreur professionnelle. Nous faisons au cadeau ça. Mais nous avons souhaité, pour la prochaine fois, que l'église là, t'a réuni quelque part pour la prière, même erreur professionnelle ça, nous faisons la refaire encore. Parce que, ou pas qu'à dire que nous connaissons que c'est des gens paisibles et pacifiques qui ont la prière dans l'église, même si tu as eu des manifestations autour de l'église là, on t'a tenu compte que si, pour craser quelconque un groupe de manifestants et pour disperser un groupe de manifestants, si vous tirez un gaz qui prend la direction côté 2000 monde rassemblés dans l'espace fermé, la fête des galades. Ça n'est pas petit monde qui est capable de faire ça. Nous renouveler et bonne conscience à la police là, et nous pensons que type d'erreur ça yo et yo pas qu'à faire yo en plein et 21e siècle dans moment ça. Merci en pile révérend, merci en pile. Merci.